pouvez-vous vous présenter brièvement? Donc, je m'appelle Pascal Dietrich, je suis auteur de romans et de nouvelles, dont les derniers sont parus aux éditions Liana Lévy. Je vis à Paris, j'ai deux enfants, et dans mon autre vie, je suis sociologue à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, et je travaille sur des questions sur les questions générales de logement, pauvreté. Et donc, voilà, mon travail consiste en gros à étudier les populations qui vivent en marge de la société. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce roman ? Donc le roman dont je vous parle, c'est « Les mafieuses », et l'idée que j'ai eue au départ, c'était de prendre cet objet assez classique dans le polar et le roman noir qui est la mafia, le milieu, et de l'aborder en mettant au premier plan des personnages qui d'ordinaire sont plutôt relégués au second plan. Donc les mafieuses, les personnages principaux sont les femmes des mafieux, et aussi les vieux, où j'ai essayé de me poser des questions comme qu'est-ce qui se passe quand les mafieux vieillissent, qu'est-ce qui arrive, et notamment quand ils ont des maladies comme Alzheimer, et qui s'en mêlent les pinceaux. Et puis par ailleurs, je me suis assez rapidement aperçu que la mafia, c'était un excellent objet pour parler de sujets de société en les traitant un peu avec une sorte de miroir grossissant. Donc notamment ces femmes de mafieux, ça me permet de parler du rôle des femmes dans la société et des difficultés qu'elles ont quand elles évoluent dans un milieu machiste. Pouvez-vous résumer l'intrigue en quelques mots ? Alors, les mafieuses, ça commence avec Léon, qui est un ancien parrain de la mafia grenobloise, qui a donc Alzheimer, et qui tombe dans le coma. Et donc, il tombe dans le coma, mais avant d'y partir, il a laissé une lettre à sa femme où il lui explique qu'en fait, il lui a collé un tueur à gages aux fesses, qu'ils vont partir ensemble, et qu'il a fait ça pour se venger d'une tromperie vieille de plus de 20 ans, puisque Michel, donc sa femme, l'avait trompé avec son meilleur ami. Donc, les mafieuses racontent l'histoire de cette femme, Michel, qui va tenter d'échapper à ce tueur, mais elle n'est pas seule dans sa fuite, elle est aidée par leurs deux filles qui sont donc Dina et Alessia et qui ont toutes les deux des profils très particuliers puisque l'une d'elles essaie de reprendre le business de son père alors que l'autre au contraire cherche une autre voie et travaille dans l'humanitaire. Comment l'avez-vous conçu et comment avez-vous travaillé ? Alors, dès le départ, l'idée, c'était avant tout de faire un roman familial. Et donc, j'ai eu envie d'avoir les voix de ces trois femmes, de ces trois mafieuses, qui alternaient. Donc, on a des chapitres comme ça, qui alternent entre Michel, Dina et Alessia. Et l'idée, c'était que chacune de ces femmes représentait quelque chose. Donc, Michel, c'est vraiment la mafieuse de l'ancienne génération, qui a beaucoup épaulé son mari, mais qui avait un rôle invisible dans l'organisation. Inversement, on a Alessia, qui est une femme de la nouvelle génération et qui, elle, essaie de faire son trou dans la mafia, qui veut y avoir un vrai statut et qui veut en même temps rénover le business et qui a beaucoup d'idées sur le sujet. Et à côté de ça, on a sa sœur Dina, qui, elle, pour le coup, prend la tangente, qui cherche à échapper au milieu et qui veut trouver une autre voie dans le monde de l'humanitaire. Votre source d'inspiration ? Alors, ma source d'inspiration, je m'inspire beaucoup de ce que j'observe au quotidien, parfois de mon travail de sociologue avec des thématiques qui émergent, de colère aussi que je peux avoir dans la vie, et puis aussi des petits actes, enfin voilà, de ce que je fais dans la vie quotidienne. Je vous donne juste un exemple. Donc, Alessia, elle est pharmacienne et donc elle fait du business dans ses pharmacies. Et je cherchais à pousser cette idée un peu plus loin. Et un jour, je m'occupais de mes enfants qui étaient malades, je leur ai donné de l'homéopathie. Et là, je me suis dit, voilà un excellent contenant pour dissimuler la drogue dans des tubes d'homéopathie et les distribuer dans les pharmacies. Donc voilà, je m'inspire de ce que je fais et à chaque fois, j'essaie d'en tirer des idées pour l'écriture et pour mes romans. Alors, êtes-vous heureuse d'avoir remporté ce prix ? Alors évidemment, j'en suis très heureuse. C'est un prix qui va beaucoup compter pour moi. D'une part parce que voilà, c'est un prix de ce festival qui est du polar que j'adore. Et par ailleurs, c'est un prix qui a été remis par les détenus. Et je dois dire que c'est un sujet qui me tient très à cœur depuis longtemps. Je me souviens quand j'étais étudiante, j'avais même fait un mémoire sur la population carcérale.
Actuellement, dès que je peux, j'accepte des interventions en prison et je vais en faire. Et donc voilà, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement, d'une part, tous les membres et les organisateurs de Quai du Polar, les détenus, vraiment, j'ai une pensée pour eux, notamment en ce moment de confinement. Et je sais que le confinement pour les détenus n'a rien à voir avec celui qu'on peut vivre, nous, de l'autre côté des barreaux. Et puis, je conclurai en remerciant ma maison d'édition et toute l'équipe qui m'a soutenue depuis le début. Merci beaucoup.